Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce jour 20 du calendrier de l'Avent sur la chaîne. Jour 20, ça y est, on s'approche vraiment de la fin du calendrier, donc j'espère que cette petite proposition vous plaira toujours. Dans l'ensemble, j'avoue que vos retours me font bien plaisir. Ça fait du bien, des fois, de lire des commentaires aussi sympathiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter un chalet. Un chalet, je n'avais pas encore fait deux maisons dans le style très bois, d'extérieur en tout cas. Et bah là, je me suis dit, vas-y, t'es sur un petit terrain 20 x 20 au milieu de Wittenberg, entouré de lacs, hein. C'est très mignon, c'est très. Vous voyez que c'est très perdu du coup, un petit peu, et je me suis dit, pourquoi pas faire du coup comme un chalet. Donc, c'était parti pour le petit chalet et comme vous voyez j'ai mis tout de suite un conduit de cheminée pour pas oublier à la fin de mettre une cheminée. Et c'est toujours très sympa quand on va au chalet ou quand on s'imagine bon, dans une vieille maison en bois ou perdue au milieu de la montagne ou autre ou au milieu de la campagne avec de la neige partout qu'il y a une bonne cheminée pour se réchauffer. Alors ici j'étais en train de faire un petit zigouigoui, un petit avec les toits. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu sur certaines maisons, des fois il y a des espèces de décorations, comme des poteaux en fait de bois hein, qui sont en dessous du toit et qui font un peu une décoration. Et là, je me suis essayé, je me suis dit bon bah j'avais envie de faire ça depuis un moment et j'ai commencé à faire là-dessus. Et puis en même temps, ça fait un peu de déco, mais j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais. Et puis j'arrivais Et puis là, ça faisait un peu trop, donc du coup, j'en ai quand même supprimé. Et puis, j'ai laissé le reste en mettant des bordures de toit un peu épaisses pour que ça fasse vraiment comme si c'était des poutres en fait et que ça garde une petite déco. Et c'était bien, bien mignon, quoi. Finalement, je me suis dit pourquoi pas, ça fait sympa. Le conduit de cheminée en pierre hein, pour bien différencier la matière, très sympathique. Et ensuite, eh bien, le bois pour bah, différer le chalet. Donc un très grand balcon pour l'étage. Alors je veux vous dire que j'ai un peu merdé pendant la construction puisque je n'avais pas mis d'accès au ce balcon d'ailleurs à l'étage. Je n'avais pas mis de porte. Donc c'est un peu dommage d'avoir un très beau balcon mais pas d'accès. Du coup bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai finalement ajouté une porte-fenêtre qu'il y avait sur les autres balcons, sur le côté en fait, près de l'escalier. Voilà, exactement à cet endroit-là, pour avoir accès sur la terrasse. Donc finalement, la couleur du bois du chalet me plaisait pas trop parce qu'après avoir fait les rambardes et le sol, enfin les rambardes étaient foncées, après j'ai mis le sol qui était foncé et finalement le bois de l'extérieur ne me plaisait plus. Du coup, bah, j'ai rechangé la couleur et j'ai utilisé ce vieux bois très usé, très miteux, qui est avec le kit d'accessoires effrayants d'Halloween. Et bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'a pas. Mais c'est un kit, honnêtement, il y a ce bois-là d'extérieur et il y a même un parquet qui fait très vieux et très miteux et qui donne vachement eh bien, l'ambiance vieux et usée qu'on pourrait apprécier pour certaines constructions, quoi. Donc je sais pas si vous l'avez, en tout cas, si ça vous motive. Et puis en plus, pour faire des petites soirées Halloween, ça peut être sympa aussi. Il y a la déco sympathique, mais bon, il faut le faire, quoi. Il faut avoir le temps de le faire. Pour les fenêtres, bah, j'ai pris des fenêtres en bois et du coup avec des volets. J'étais pas trop sûre, celle que j'avais mis en bas au final, je les ai changées et j'ai fait comme ça des fenêtres avec les volets en unité, puisqu'il y avait les fenêtres par deux, mais ça prenait vraiment trop de place alors que les fenêtres par une, enfin qui prenaient du coup deux carreaux quand même, ça pouvait passer. Donc bah, je me suis amusée à mettre finalement les petites fenêtres avec volets. Et puis ça, il y a un petit peu de volume aussi parce que les volets sont bien faits et ressortent en fait de la matière. Donc c'était plutôt pas mal. Là, sur le revêtement extérieur, j'ai tenté autre chose, mais au final, je crois que je suis bel et bien restée sur ce vieux bois du kit Halloween. Ah, et en bas, j'ai utilisé un peu les trucs que nous avons avec Vivre Ensemble, si je ne fais pas de bêtises, puisque c'est des revêtements mi-pierre, mi-bois, mi-torchis, qui sont top hein, pour des maisons anciennes et tout ça. C'est vrai que Windenburg est une très belle ville qui fait limite médiévale. Dans le quartier, oui, c'est un peu village, c'est très joli. Du coup, bah, j'ai un peu abusé, j'ai fait ça pour le rez-de-chaussée et puis j'ai remis la même chose ou presque entièrement en pierre pour la cheminée, pour marquer vraiment le côté pierre et plus solide du coup de la cheminée hein, que le bois, quoi.
Mais ça fait un mélange assez sympa quand même. On a tout, on a du torchis, de la pierre, du bois. C'est plutôt pas mal, ça a beaucoup de charme. Pour la disposition des pièces, déjà, j'ai mis de la pierre pour la cheminée, hein, pour bien marquer le côté un peu ancien qui me plaisait bien, pour que ce soit vraiment visible. Alors, au rez-de-chaussée, je me suis pris un petit peu la tête parce que je voulais absolument que la cheminée soit dans la pièce à vivre, mais j'ai du mal à me dire où est-ce que je vais caser la cuisine et au moins une salle d'eau en bas. Hein, vous savez l'habitude maintenant que je mets les salles d'eau toujours en bas, ou du moins j'essaye d'en caser une quand je peux. Et je me suis pris la tête. Finalement, là où j'avais mis la salle d'eau, je vais la laisser. Parce que quand j'ai voulu la mettre là, je me suis dit ouais, mais en fait non, parce que après la salle d'eau, si elle est trop par rapport à la porte d'entrée, ça va pas me plaire et tout ça. Et voilà, au final, j'ai fait un petit renfoncement pour faire la cuisine qui est du coup ouverte avec une arche. Le côté moderne, genre on a revisité la maison, hein, on a fait une arche pour faciliter le passage. Mais par contre, j'ai laissé quand même des carreaux un peu vieux, hein, un peu d'époque dans la cuisine pour marquer, bien sûr, toujours le coup de du vieux chalet un peu abîmé dans tous les sens. Regardez ce plancher magnifique, hein, qui est là. Ah, comme ça, je sais plus exactement de chez quel pack il vient. Hein. Il vient peut-être d'accessoires vintage. Au pire, il viendra avec de la jungle parce que j'aime énormément ce pack et qui a des bois magnifiques. Et à l'étage, on a donc trois chambres avec une salle d'eau. Il y a une belle chambre avec la cheminée, hein, toujours. La salle d'eau avec du bon vieux carrelage bien moche. Une chambre un peu où il y a une entrée un peu en couloir. Mais je ne pouvais pas trop trop faire autrement. Et la dernière chambre qui aura donc accès au balcon qu'il y a à l'étage. Au grand balcon qu'il y a à l'étage. C'est la porte que vous ne voyez pas parce que j'avais oublié de la mettre pendant la construction. Du coup, au rez-de-chaussée, j'ai essayé de couper encore le visuel, mais au final, ça marchait pas. Je me suis dit, non, bah, je vais laisser tout ouvert. Vous aménagerez comme vous le voulez. Et puis voilà. Quelques sapins à l'extérieur pour faire vraiment montagne. Mais je me dis, avec la neige et tout, ça doit tellement être joli. Et puis, je vais agrémenter d'une petite chose en plus, qui est un des puits qu'on a avec. Là, j'ai commencé à essayer avec. Outdoor Retreat, je sais plus le nom, Granite Falls, hein, enfin les trucs, je sais pas quoi là, bref, de camping. Et finalement j'ai mis le puits à sécher qu'il y a avec, mais ben, je crois que c'est Vivre Ensemble, si je dis pas de conneries, que je trouve ça mignon en fait, ça fait très campagne. Et bien sûr, cette construction sera disponible dès que possible dans la galerie. Entre-temps, n'hésitez pas à mettre un like. Moi, j'y réponds à vos commentaires. Et puis, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et compagnie. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent.